pour parler des hommes de la mer. Et un peu plus parler des vestiges, comme on appelle ça, le bureau de la mer. Bureau des hommes de la mer. Alors, nous avons présenté le bureau. Les hommes de la mer sont connus. Nous avons comme ça voulu dire à notre madame, nous avons magnifié Dieu, nous les hommes, par rapport à l'investiture, comme on appelle ça, du bureau des hommes. Alors pour ça, pour les hommes, je voudrais que vous acclamiez d'abord, avant de continuer. Et ensuite, tout de suite après, amen, nous allons nous retrouver pour préparer, comme on appelle ça, cette cérémonie d'investiture qui sera grande. Je vous remercie. Amen. Merci frère. Est-ce qu'on acclame à Dieu? On peut acclamer les hommes? Alors, est-ce qu'il y a ici nos frères et sœurs qui nous rendent ici visite pour la première fois? Si tu arrives ici pour la première fois, s'il te plaît, tiens-toi debout. Que Dieu on les encourage par nos acclamations. Veuillez avancer s'il vous plaît. Nous allons échanger. Ici face au peuple, nous allons faire connaissance. Soyez bénis les frères, les sœurs également. Ce matin, nous sommes très contents. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et sachez que cette mission qui vous accueille aujourd'hui, en ce beau temps, c'est la merci, la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction. Et la merci par ma voix vous dit à quoi va vous dire les bienvenus. Et sachez que cette maison, c'est la maison de votre père. Ne vous sentez pas étranger, parce que nous avons besoin de vous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, tout à l'heure, vous allez donner votre nom. Nous dites qui vous a invité. Alors, vous donnez votre impression sur le culte de ce matin. Nous dites si vous restez avec nous ou soit vous êtes de passage. Amen. Alors, nous commençons par nos soeurs. Ma soeur soit bénie. Pouvez-vous parler dans le micro? Et quel est votre nom? Qu'est-ce qu'on dit pour nos soeurs? Alors ce matin, qui t'a invité? Les Alexis. Qu'est-ce qu'on dit pour nos soeurs? Est-ce qu'on peut acclamer la soeur Alexis? Et comment tu as trouvé le culte de ce matin? Très bien, qu'est-ce qui t'a plu dans tout ce que nous avons fait? La louange, la prédication, bien, tout a plu. Es-tu déjà chrétienne? Tu étais. Aujourd'hui, le message qui t'est prêché te demande de courir pour avoir le prix, le meilleur prix. Amen, c'est le prix de ton salut. Demeurez hors de la maison de Dieu, ne fais pas de toi un vainqueur. Alors prends la décision maintenant. Prends cette décision qui va te faire plaisir, qui va te donner la couronne dont tu as besoin. Quel est ton dernier mot, ma soeur? Quel est ton dernier mot? Tu restes ici avec nous. Alors, bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer nos soeurs? Elle prend une décision devant Dieu et devant les hommes. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Sœur, sois bénie. Quel est ton nom? La sœur Rachel. Rachel quoi? Ça c'est le prénom. Le prénom c'est Rachel et le nom? Oui. Quand Rachel? Qu'est-ce qu'on dit pour nos sœurs? Sois bénie la sœur. Et qui t'a invité ce matin, la sœur? La sœur Solange, est-ce qu'on peut acclamer pour nos sœurs?
Comment tu as trouvé le culte ce matin? Le mercredi, j'étais là, tu as trouvé ça très bien. Et ce dimanche, tu es venu un témoignage de tout ce que tu as pu vivre avec nous ici. Alors, quelle est ta décision finale? Puisque tu étais là le mercredi, le dimanche tu viens, tout est parfait. Alors, tu restes ici avec nous. Est-ce qu'on va parler du Seigneur de la Seigneur? Sois béni la Seigneur. En tout cas, que le Seigneur te fortifie. La Seigneur soit béni. Quel est ton nom? Céline. Qu'est-ce qu'on dit pour notre sœur? La Seigneur soit béni. Et qui t'a invité ce matin? La Seigneur Brigitte. Qu'est-ce qu'on fait pour notre sœur Brigitte? On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Et comment t'as trouvé ce moment? Bien. Qu'est-ce qui t'a plu? La louange. La louange t'a beaucoup touché. Alors, j'ai des passages. Bien, tu restes ici avec nous. T'as ton église aussi. Alors, tu es venu, ce qui t'a plu. Tout t'a plu. Alors, toute fois que la sœur va t'inviter, c'est là parmi nous, n'est-ce pas? Dieu soit loué. Amen. Père soit béni. Quels sont les nouvelles ce matin? Ok, quel est ton nom? Père. Qu'est-ce qu'on dit pour le frère Abdi? Sois béni le frère. Et comment tu as trouvé le moment? Pleine de grâce, pleine de bénédiction. Pleine de grâce, pleine de bénédiction. Amen. Alors, puisque tu as trouvé la grâce, la bénédiction est à ta porte. Mon frère, quelle décision on peut prendre? Dieu te donnera la grâce de bénédiction parmi nous. La grâce t'a déjà donné, alors donne ta décision parce que le message qui t'est prêché aujourd'hui n'est pas un message au hasard. Moi, j'espère bien le bénir. J'espère bien le bénir. D'accord. Ok, merci bien. Un frère soit béni. Quel est ton nom? Déjà. Marie. Qu'est-ce qu'on dit pour le frère? Sois béni le frère. Comment tu as trouvé ce moment? Très bon. Alors, qui t'a invité? André. Papa André. Est-ce que vous pouvez acclamer notre Seigneur pour votre grâce? Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Tout t'a plu? Et alors? Oui. La prédication t'a plu? Et alors, tu prends tes décisions? Papa André t'a invité. Aujourd'hui, tu viens tomber sur un message vraiment qui t'a édifié. Alors, on prend ta décision. La deuxième, qui me donne toujours le courage pour l'homme. Donc, que Dieu te donne toujours le courage de l'éviter. Et toute fois que l'homme papa t'invitera, tu seras parmi nous. Amen. Que soit loué. Parce que soit béni. Quel est ton nom, ma soeur? Tu as dit Jérémy. Tu as dit Jérémy. Qu'est-ce qu'on dit pour nos soeurs? Sois béni ma soeur. Comment tu as trouvé le culte ce matin? Le culte était bien. Qu'est-ce qui t'a plu, la prédication? La prédication t'a vraiment touché. Es-tu déjà chrétienne? Oui. Alors, tu as des passages ou bien? Je suis des passages. Tu as des passages. Et toutefois que nos soeurs étaient invitées là, tu resteras parmi nous, n'est-ce pas? J'ai été invité par le frère Lamé. Lamé. Sois béni le frère. Alors, nous comptons te revoir une prochaine fois. Amen. Et qui t'a invité ce matin? Le frère. Le frère Damien encore. Et quel est ton nom? Voici Esther. Voici Esther. Esther. Qu'est-ce qu'on dit pour notre soeur? Amen. Comment tu as trouvé le culte ce matin? Merveilleux. Es-tu déjà chrétienne? Tu es déjà chrétienne. Alors, toutefois que le frère Damien t'invitera, tu seras parmi nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Peuple de Dieu, je demande encore que vous les acclamiez. Vous restez en place. Tout à l'heure, un serviteur de Dieu viendra prier pour vous. Le missionnaire, Corneille Joseph, que je demande d'acclamer très très fort. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour nos bien-aimés qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois. Sachez que vous êtes dans la maison de votre Père. Vous allez fermer les yeux, lever les mains et nous allons vous confier au Seigneur. Père Dieu, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton nom.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tes enfants à qui tu as permis, Seigneur Dieu, de nous visiter pour la première fois. Seigneur, nous voyons que véritablement ton amour est grand. Seigneur, sans toi, comment allons-nous faire pour les connaître? Comment allons-nous faire, Seigneur Dieu de gloire, pour savoir que eux aussi, Seigneur Dieu de gloire, ils sont nos frères? Aujourd'hui, tu nous donnes cette occasion, Seigneur Dieu, de les connaître, Seigneur, afin que véritablement ensemble, nous puissions te louer, te célébrer. Merci, éternel Dieu. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de leur faire connaître, Seigneur, une autre facette de ta fidélité, de ta bonté, de ta grandeur. Afin qu'au sortir d'ici, Dieu le voit, ils sachent qu'ils ont mis les pieds dans ta maison. Dieu, daigne les bénir, Seigneur, au centuple. Daigne, Seigneur, de ouvrir les portes de bénédiction pour eux. Et que ta gloire se déverse sur les vies, Dieu le voit. Merci de menacer tous ceux qui auparavant les avaient menacés. Que désormais, Seigneur Dieu, ils deviennent des vainqueurs, des victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta parole qui est scellée aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, demeure dans leur cœur. Et que véritablement, à partir de maintenant, Seigneur Dieu, la couronne incorruptible, Seigneur, soit mise sur les têtes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et fortifiés. Tout à l'heure, vous recevrez pour une petite oration le temps véritablement de vous connaître encore un peu plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, certainement. Dans les acclames, s'il vous plaît. Nous appelons ici le missionnaire Soro Daniel. Pour son intervention, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le missionnaire? Pour son intervention. Amen. Je vais porter à la présence de l'éternel baptême. Après Abel, voyez le fait en vous. En vous, c'est le vous faire licencier. Tous ceux qui sont candidats au baptême 2014. Voilà, vous voyez, après Abel, vous voyez en vous, vous lui donnez votre nom. Parce qu'on va commencer bientôt le cours du baptême. La deuxième information, c'est toujours par rapport à. C'est une information relative au recrutement d'agents et saisies informatiques à la direction générale des impôts. La direction générale des impôts recrute des agents de saisie informatique. Et pour être candidat, il faut avoir le profil suivant. Il faut avoir le PAC ou le PPC ou équivalent. Il faut maîtriser l'outil informatique Word et Excel. Il faut connaître Word et Excel. Il faut être âgé de 20 à 35 ans maximum. Et il faut avoir l'expérience en informatique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir manipuler l'outil informatique Word et Excel pendant au moins 2 ans. Et les pièces à fournir sont les suivantes. Un CV, un curriculum vitae, le diplôme, c'est-à-dire la photocopie égalisée du diplôme. Ensuite, un essai de naissance, un casier judiciaire et la photocopie de la carte d'identité. Et les dossiers sont reçus à la direction des ressources humaines et des moyens généraux, sous direction du personnel, si à la tour 2, 3e étage, porte 33. Au plus tard, le mardi 25 mars, délai de rigueur. Bon, malheureusement, on a eu des formations un peu vendredi pratiquement. Donc, peut-être vraiment plus par le délai. On a dit mardi ou plus tard, il est de rigueur. Et le test d'évaluation aura lieu le vendredi 29 mars 2014, aussi fiscal que la Direction Générale des Impôts, s'il a lieu, n'arrière au sous, à partir de 8 heures. Donc, tous ceux qui sont candidats, après Amen, vous pouvez passer, vous consulter la liste de dossiers à vous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ainsi prennent fin nos annonces. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis à ton frère, sois béni. Parce que chaque jour que Dieu fait, il va encore être plus en plus profond avec nous. Amen. Vraiment, je voudrais féliciter mon missionnaire et puis dire merci à Dieu pour son peuple. Alléluia. Je voudrais faire une petite mise au point par rapport à
à l'intervention du secrétaire de l'Union des hommes. En fait, quand je parlais au président, j'ai dit, dans le monde là-bas, quand il y a un bureau qui est mis sur le pied, on fait l'investiture du bureau. Mais à l'église, nous parlons de consécration. Il faut qu'on les consacre à Dieu pour que tout ce qu'ils vont faire soit de la gloire de Dieu. Et donc, ça serait donc un cérémonie de consécration. Dans le monde, on parle d'investiture, mais ici, nous parlons de consécration. Amen. Ici, vous serez consacrés à l'Esprit de Dieu pour que tout ce que vous fassiez soit fait selon la gloire de Dieu. Donc, nous aurons la consécration du bureau des hommes. Je souhaiterais que ce soit fait avant la grande fête de Pâques. Parce que après la fête de Pâques, juste après la fête de Pâques, nous avons la dédicace du temple. Donc il faudrait que le bureau des hommes soit prêt pour que la dédicace du temple, ils soient impliqués dans l'organisation de la fête de la dédicace. Amen. C'est un souhait. Je ne vous oblige pas. Mais celui qui a des oreilles contentes, qui entend la voix de l'Éternel. Maintenant, autre chose, je voudrais aussi attirer l'attention particulière de la jeunesse. Être jeune et être actif à l'église, ce n'est pas seulement en apportant des dons. C'est en écoutant la parole de Dieu, en se laissant transformer par cette parole, afin de pouvoir remporter la couronne de Dieu. Mais Paul disait tantôt que il y a de manière à remporter la couronne. La couronne est corruptible, c'est-à-dire la couronne de Dieu. Donc il y a une manière. Comme on le dit en français, il y a une façon de prier pour remporter la couronne. On ne peut pas n'importe comment. Paul a pris cet exemple, cette image précise, pour dire une seule mort, quand il court, on dit qu'il court comme un jaguar, il y a une manière de traverser l'air. Mais si tu te mets là, tu cours comme peut-être quelqu'un qui ne sait pas de avant qu'il atteigne ça, c'est à force d'entraînement. Il s'est entraîné. Il a un entraîneur. C'est bon, quand tu as le souffle, quand tu vas remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques, la course, il s'entraîne. Il t'aime durement son corps. Il fait des pompes. Il fait des. Comment dis-moi le mot. Il fait la musculation. Il fait des abdominaux. Papa une vente qui est, comment tu dis ça, contre, on peut couper là. Pas de vente comme un sac de coco. Parce qu'il faut qu'il court. Il a une position de se mettre sur le starting block. Afin qu'il puisse gagner, même un millimètre, il puisse gagner ça, plus que son adversaire. Il y a une manière spécifique. Mais qu'est-ce que nous on remarque dans cette église-là? On vient à l'église. Mais on court différemment, on ne court pas de manière à remporter la couronne du salut, la couronne de vie. Je m'explique. On vient à l'église, on ne se laisse pas pénétrer par la parole de Dieu. Mais quand on a couvert une nouvelle habille, on vient montrer. Tu ne verras jamais du royaume des cieux. Ou alors, ton entraîneur, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu te disent, marche comme ça, quand tu dis, tchè. C'est foutaise. Je parle de jeûne parce que il n'est pas bon que dans la maison de Dieu ton esprit soit partagé. Il faut que tu sois concentré pour écouter la parole de Dieu. Mais vous venez ça ici, vous venez faire des chats avec vos téléphones portables. Et donc j'ai donné ordre au service d'ordre, au lieu de me répéter, de prendre désormais les portables parce que moi-même j'ai envie de changer le portable. Vous ne m'achetez pas portable. Donc je vais me faire mon marché de portable parmi vos portables. Tiens, puis ça, tu vas pas considérer. Sors la vie. Il y en a qui n'ont pas besoin de regarder sur le clavier. Peut-être qu'ils sont appliqués, qu'ils connaissent ce. Ah, vous êtes tombé. C'est qu'on dit là ça. Abraham disait, mais est-ce qu'ils écoutent ce qu'on dit? Parce que si tu ne laisses pas la manière en fait, tu ne laisses pas entraîner. Tu ne peux pas te remporter. Beaucoup aujourd'hui considèrent, même vous considérez mon fils comme vos ennemis, leurs ennemis. Mais ça n'est pas parce qu'on vous apprend la manière.
jeune fille que je connais depuis là-bas qui a perdu sa place au sein du groupe de chant. Parce qu'on dit jeûner, puis moi je ne jeûne pas. Mais tu ne jeûnes pas. La Bible dit voici ce que tu dois faire pour qu'on fasse ta dépense. Voilà, mon corps n'arrive pas à jeûner. Si tel est le cas, moi aussi, mes mains ne s'imposent pas à quelqu'un qui n'a pas jeûné. Est-ce que vous comprenez? Et puis on s'est séparés. Mais je crois que c'est un critère. Parce que Dieu a certainement mis un talent là pour que elle ne peut pas exploiter la gloire du monde. Donc il y a une manière. Quand tu es chrétien, il y a une manière de marcher. Parce que tous les couloirs, elles tous viennent pour rapporter. Hein. Mais ce n'est pas elles tous qui rapportent. C'est le plus fort, celui qui a mis la manière dans sa course, qui a mis la détermination à volonté. C'est lui qui rapporte la couronne. C'est lui qui remporte la médaille, la plus prestigieuse. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Même on demande aux enfants de Dieu, levez-vous pour qu'on nous comprenne. Même pendant les combats, nous qui avons plus de 50 ans, on tient debout. Mais dès qu'on chie, donc c'est là, ouais, elle m'assoit. Que chien. Vas-y, le français, que chien. Il ne peut pas s'arrêter 2000 morts. Tu vas les voir en vie. Mon fils, tu as laissé, tu vas faire tout le cadeau. Tu vas les voir bien en vie. La manière. Tu les vois bien vu, tu sais pas que c'est. Donc ils ont deux amis, deux petits amis. Pas mal. Et elle est sa parole pour les autres, pour les là-bas. C'est bon, on va la garder là-bas. Ouais. Il est là-bas. Et comme ça, comment la manière peut se mettre dans le monde? Et là, ils disent ça. Ça, c'est pour eux seulement. Si tu n'écoutes pas la parole, comment tu peux savoir qu'il faut marcher comme ça? On est pour perdre le temps de vie. Pauvres qui sont presque nuls. Pauvres qui sont presque nuls. Garçons comme femmes. Parce que moi je dis ici, je ne veux pas les pantalons race fesse. C'est un tag basse. Race fesse, là, c'est les filles. Tout ça, c'est même chose. S'il ne veut plus pas, on soit au même niveau, c'est pas la même chose. Mais en vie, il porte. J'ai demandé à quelqu'un un jour, je lui ai dit, comment tu peux me mettre ton pied dans ton pantalon? Tellement le pantalon m'a sommolé. Je lui ai son petit, parce que même grenouille ne peut pas porter pour toi. Ça ressemble à la grenouille des enfants. Tellement c'est sa masse. Et là, elle a dit, mon petit, déjà comment tu portes ton pantalon? Il dit, maman, ça va me serrer la stick. Amen. On doit me reconnaître en tant que chrétien la manière de remporter la couronne. Mais à la même, c'est même pas pour son mal. Parce que quand tous les chrétiens sont pour, quand tu viens, tu dis, tu seras béni. Dis, ouais, le serviteur de Dieu est fort. Tu vas te marier. Oh, le toit s'enlève. Tu es fort maintenant. Yeah. Mais dis-lui, ne sois pas une petite, dis, elle vient. Maman, elle commence. Ne commets pas l'adultère, elle arrive. Ne vole pas, elle arrive. Ne mens pas, oh, ça là, elle nous fatigue cette femme-là. Ça vous a de même pas qu'elle prenne le coup. Mais je dénoncerai ta peine jusqu'à ce que toi-même tu puisses l'abandonner. Si tu es menteur, tu vas exercer ta langue pour ne plus mentir. Si tu es voleur, tu vas exercer tes mains pour ne plus voler. Si tu combattes, tu vas pouvoir travailler tes yeux, exercer tes yeux pour ne plus combattre. Amen. Si tu es calomniateur, tu dois pouvoir être c'est ça qui dit je t'aime, tu le vois du corps. Ça te conseille si vous le conseillez. C'est pour nous, serviteurs de Dieu. C'est pour toi aussi. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui n'exercent pas durement leur corps et qui viennent propager leur chaleur prodata. Ça dit c'est elle qui prêche et non Jésus-Christ de Nazareth. Or, c'est ça qui marche en toi, tu vois. Si Daniel est mort. On avait commencé à aller à la télévision pour dire Alléluia! Est-ce que tu peux comprendre l'onction, la prospérité qui est descendue? Puis je dis à Daniel, la France. Je dis, bon, je passe maintenant le micro à moi. Je dis Alléluia! Actuellement, je parle. Quelque chose est déclenché. On sait qu'en 2014 a poussé les rois. Envoyez 20 000 chacun avant que je ne vous reçoive. Et la femme,
seulement encore de vivre par la parole de Dieu, de vivre de notre vie comme nous avons servi. Alléluia! Parce que nos brebis ne courent pas de manière à remporter la victoire. Pour l'instant, donc nous sommes interpellés, nous, serviteurs de Dieu, nos brebis aussi sont interpellés. Alors, on peut trouver maman, on vient ici, maman. Hier, il y a eu qui m'a appelé. Tu m'as pas dit que tu voyages. Et pendant ton voyage, tu me trouves un malade là-bas. Maintenant, tu m'appelles. Est-ce que tu m'as dit au revoir? Même si c'est pas mal, est-ce que tu as dit au revoir au responsable de ta cellule? Tu devais être dans ma. Or, le même apôtre m'a dit, veillez les uns sur les autres. On a le droit de veiller sur vous comme vous aussi vous avez le droit de veiller sur nous. Veillez les uns sur les autres. Tu vas veiller sur ton frère, sur ta soeur. Le aussi va veiller sur toi. Mais avant que quelque part, il y a quoi? C'est à quoi le gars est devenu chrétien? Il y a quoi? En tout cas, faut faire pour moi, faut regarder, faut me voir passer, faut me voir laisser louper. Hein. Sinon, ce n'est pas comme de moi, que là, il dit c'est pour mon propre bien. Tu as compris, non? Tu n'as pas dit que tu es mon héros, mais moi, je vais me laisser dans tes yeux. Faut me voir louper d'air, faut me voir louper, je suis le bon matin. Je t'ai appris pour venir au matin. Amen. Tu m'as dit à l'égard, est-ce que moi je t'ai dit que c'est mon gars? C'est très établi. T'as dit c'est mon gars, mais ça dépend de comment je le vois aussi. Parce que si moi je suis un tambour, on a une manière de marcher, de manière à ne pas corrompre ma foi, mon témoignage. Même si je vois un mot quelque part, je dis, mon esprit, fais attention. Maman elle a pensé, comment elle a vieilli là? Elle n'a pas grand-monde. Au bout de tout état, et le coup, la chambre de la dame, j'ai appris à Jésus né. Moi, je dans la Bible, c'est pas pour le faire, c'est pas ça que je dis à faire comprendre le temps. J'ai appris à Jésus né. C'est quand le soumet, c'est mauvais. Est-ce que je suis souvent, dis-moi. Mais qu'est-ce que lui a à vos tests pour savoir si tu es souvent ou pas? Mais une fois que tu as bu, mais là, tu commences à rire. Eh, un peu. Oh, ça va pas sortir de la bouche d'un chrétien. Je te dis, faut quitter dans ça. Mais la nuit, c'est pas comme la bouche à poids de rein. Un petit hôtel, moi, on fait des chambres. Comment? Des chambres de passe. Des passe. Combien ta chambre a changé de position? Même si la tête tourne, nous tournons ensemble avec la tête. Donc, il n'y a pas de changement. Ta chambre est là maintenant. Et soit. Qui a franchi? On dit, enfant de Dieu, là, non, pour se marier, parler avec une femme, il y a un processus. Quand il y a fiançailles. Les serviteurs de Dieu sont saisis. Même les démarches. On fait l'offre. Et si on fait votre mariage, c'est maintenant que vous pouvez aller ensemble pour dormir. Mais c'est ça votre processus. Mais après ça, dès qu'on a doté, c'est ma femme. On ne peut pas aller ailleurs. Donc viens. Ah oui, il n'y a rien, il y a une folie. Cela c'est. Ça fait plaisir à la chair.
ça tient mal, mais alors tu remportes la gloire. C'est comme le courant qui tu peux m'appeler, mais il s'est mort, il s'est levé à 3h du matin. Est-ce que tu te réveilles même pour prier? Et puis tout le temps, tu ne parles pas en langue. Que Dieu n'exauce pas ta prière. Mais c'est un entraînement aussi. Qui se réveille parmi nous pour prier? Alléluia. Tu pries réellement, tu adores Dieu. On fouille, on pourquoi? Quand j'ai dit à certaines personnes, pardonne Dieu, ils m'ont répété le même mot 10 fois. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Et je t'adore. Non, le texte c'est adoration. Maintenant toi tu vas dire quelque chose dans l'adoration. C'est pas je t'adore qui sait que tu es venu pour l'adorer, mais tu dis quoi? Qui rit? Qui t'a adoré Dieu? Au moins 5 mots. Sinon 5 expressions. Pour adorer Dieu. Ceux qui adorent jusqu'à là et puis tout le monde tremble. Ça veut dire quoi? Donc, Seigneur, il t'adore parce que c'est le grand Dieu qui est le Dieu qui est pitié. Toi qui t'aimes, tu dis, est le Dieu. Amen. Je vais lui faire une délégation spéciale parce que lui, il a loué Dieu. Mais c'est déjà bon. Parce qu'à un certain niveau, ça va faire la différence entre l'adoration et l'amour. Qui s'est adoré Dieu? Hein? Qui s'est loué Dieu? Hein? Qui s'est loué? Allez. Adorer Dieu, ça fait quoi? Hein? Reconnaître ce qu'il est. Dis ce que Dieu est. Maintenant, loue Dieu. C'est pas comme les révolutions qui ont gâté la dernière fois. Loue Dieu, c'est quoi? A suivi. Voilà, dis ce qu'il fait. Amen. Pour toi, ce que tu vois dans la Bible, c'est qu'il fait. Amen. Donc lui, il a loué son Dieu. C'est pas mal. Alléluia. Même ça, c'est pas mal. Il y a un cas vite fait. Il y a un adoré le boulot. Parce que le gars est plus là. Si tu n'as pas vu la vision, la révélation, eux, ils n'ont pas la vision. Comme si moi, t'es céleste. Si tu n'as pas vu ma vision pour que tu puisses voir, pour que moi je guérisse, et puis mon mariage soit déclaré, tu iras adorer au niveau. Est-ce que c'est ça, on est venu sur le jour? Parce que là, je ne parle pas dans la vie. Moi, adorer, faites une façon, faut prier pour moi. Moi, où je suis dans cette année, il faut que je me marie. C'est ce que moi, je veux nous faire. Sinon, tout ce que toi tu fais, ce n'est pas mon affaire. Alléluia! Tu comprends Jésus? Je dis, par moi je lis la texte de l'évangile et puis je parle après. Je dis, la souffleur. D'après, il parlait à quelqu'un, la personne m'a, et puis lui sait que la personne m'a. Et puis il est là. Il part quand même à l'aise. Qui est dans ce cas? Aujourd'hui, on a dit, tu dis, la passe là, il faut nous donner moi à partir de la personne. On va aller préparer à manger. Sinon, adorer au boulot, tout ça là. On a tout compris. C'est bon. Lève la main. Dieu va te pardonner. C'est pas grave. Lève la main. Aïe. À quoi dans ça tu montes? Alléluia. Couronne de manière à remporter. La couronne est contigue. Quand Gabriel Tchako est mort, sa couronne n'avait plus de valeur. Or, s'il avait eu la couronne, je ne le connais pas. Mais cette couronne est juste à l'éternité. La gloire que les hommes te donnent actuellement sur le terrain, en tant que sportif, ou même dans ton milieu politique, c'est pour un temps. Ces mêmes hommes vont encore déclamer ou te faire descendre. Les temps que tu cours pour obtenir la couronne de Dieu. Et tu pars à l'autre couronne de manière. Quand tu viens à l'église, c'est pour chercher la manière. Quand tu écoutes les messages, c'est pour chercher la manière, pour corriger ta façon d'être, afin de te permettre d'obtenir la couleur. Parce que nous tous, nous sommes des sportifs, nous comparons à des couleurs. Pas n'importe quel sportif, mais à des couleurs. Ça dit, c'est pas jeu d'équipe. C'est pas jeu d'équipe, hein. Tout le monde, c'est équipe, on dit l'équipe a gagné. Mais la tête, là, il est seul.
qui subit l'épreuve. Et quand il n'a pas de c'est pour lui. On ne dit pas, lui c'est une boîte avec non, on dit qu'il a remporté la médaille d'or avant de dire qu'il est américain. C'est pour dire qu'à celle des chrétiens, nous sommes tous sur le statut, donc à part celle de l'équipe des missionnaires, l'équipe des fidèles de l'église. Attends, il n'y a pas d'équipe. Dieu ne m'a pas équipe là-bas. Il ne m'a pas dit maman et son mari. Non, tchèche. Monsieur Ziaou, avez-vous couru de manière à remporter la couronne de victoire? Oui. Même les enfants, je ne suis pas capable de répondre. Est-ce que vous comprenez un peu le message de Paul? Est-ce que c'est tellement profond? Est-ce que vous. C'est pas sûr qu'il n'a pas pris n'importe quel sport. Il y pousse. L'athlétisme, on est la paix. Et je lui tire en l'air celui qui donne le coup d'avoir le pistolet de homme. Et puis on commence à courir. Il ne calcule pas le départ, l'arrivée là-bas. Est-ce que tu as bien couru pour pouvoir le remporter? Parce qu'il y en a beaucoup qui trichent. Non, une fois. Dieu te voit, il te voit. Je crois que c'est Emmanuel Bafo qui a choisi ça. Il te voit dès. C'est simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Il te voit, hein. Je ne sais pas, ils veulent. Il te voit, hein. Il te voit, oh, non. C'est-à-dire, quand tu vois ta position, il te voit. Amen. Est-ce que tu peux te lever à parler au Seigneur? Il te manquait de toi, il te voit. N'est pas l'acclamation d'un athlète qui est en position de courir. Moi, quand je le vois, ils sont qui se mettent en jambe. Ils font comme ça. Ils font des mouvements.